Smagic Figures. Es Bouchau Gabriela. Cam ce jau că e școala ca cea în Franța. Cam ce cărgeau doctorița. Hai, mulțumim Dumingă că mi când mă ziceau că e școala ca cea. Alors, l'objectif que nous nous sommes donné avec le collectif, c'est la scolarisation, parce que c'est d'abord un droit important, surtout dans une république. Donc, on s'était dit qu'il fallait qu'on puisse faire valoir ce droit pour tout le monde, et en particulier donc pour les enfants. En France, il y a beaucoup d'enfants. Roms, Roumains et Bulgares pour la plupart, qui vivent dans les bidonvilles et qui restent jusqu'à aujourd'hui, en 2014, exclus de l'école. Donc j'ai rencontré beaucoup d'enfants en âge de scolarisation obligatoire, aujourd'hui qu'ils ont 9, 11, 12 ans et qui n'ont jamais été scolarisés ou avec une très très faible scolarité. Donc ces enfants restent analphabètes et c'est très triste. Du coup, leur situation est pire que dans leur pays d'origine, la Roumanie et la Bulgarie, parce qu'on a ces pays, au moins ils vont à l'école, ils apprennent à lire et écrire, tandis qu'ici, ils vont devenir, d'ici quelques années, adolescentes, voire adultes, ils vont rentrer dans le monde adulte sans savoir ni lire et ni écrire. La France a cette obligation d'aller vers ses enfants et les scolariser. Donc c'est une obligation, c'est un droit, et en même temps il y a des lois, donc il y a la charte des enfants dont la France fait partie, qui a signé. Il y a aussi les lois françaises, donc les droits d'enfants, mais tout ça c'est brisé. Donc la France et les politiques sont aussi responsables de leur situation actuellement. Me bucho Fernando, smarto bush. Ai cam orice deja au ca și coala. Tu mi-ai putut mângă că cam orice vău șoferi. Je me suis retrouvée à la tête d'un combat pour la scolarisation des enfants roms, qui est en fait un combat contre le basculement des élus français dans l'illégalité. Et tout d'un coup, pour les Roms, il n'y avait plus droit à une domiciliation. Donc pas le droit à l'aide d'une assistante sociale, donc pas le droit aux bourses des collèges pour les enfants qui vont au collège, donc pas le droit à recevoir du courrier, pas le droit d'un compte en banque, pas le droit de déposer un dispositif AME. Sauf que, à l'école, effectivement, on a besoin que les gamins ils aient un numéro de sécurité sociale, qu'ils aient un accès minimal pour envoyer les factures de cantine. Il fallait bien que les parents aient une adresse. Pour qu'ils puissent avoir un travail, il fallait arrêter de leur interdire. Parce qu'en plus, on avait pris une disposition interdisant à leurs parents de trouver un travail. Enfin, on était dans quelque chose qui était tout à fait particulier. Dans l'école où je travaille, il y a une classe d'accueil pour les enfants non francophones. Donc nous accueillons depuis des années des enfants arrivant d'autres pays. Ce qui fait que pour nous, ça n'a pas été au départ si différent d'avoir à accueillir des enfants roumains, puisqu'on avait déjà eu des enfants serbes, mauritaniens, chinois, vietnamiens, congolais, de maliens, mauritaniens. Donc, ça n'était pas quelque chose de nouveau. D'autant qu'à Bobigny, la municipalité avait toujours accepté l'inscription des enfants à l'école et dans les dispositifs périscolaires, y compris quand les parents étaient sans ressources ou sans adresse. Et ce qui m'a surpris, c'est la manière dont les autres municipalités se sont mis à refuser l'inscription des enfants à l'école. Comme si, en refusant les enfants, on refuserait le bidonville. Au fond, une manière de refuser l'existence des bidonvilles, c'était de refuser l'existence des enfants des bidonvilles dans les écoles. L'école, le droit à l'école, fait partie du plancher des droits sociaux sur lesquels nous sommes tous assis. Bonjour, je m'appelle Bianca, j'ai 10 ans et demi, je suis née en Roumanie. Avant,
Il y avait le bus ici et le Arias et ils ont dit que nous on va à l'école au bus et maintenant on va à l'école et les dossiers ont été bloqués parce qu'il n'y avait pas de place dans l'école et maintenant on est à l'école à Triolo. Et tous les enfants, ils sont à l'école. Et avant, ils n'étaient pas à l'école, mais maintenant, ils sont à l'école. Et quand je serai grand, je vais être traduite. Nous, sur la parade, il y a eu en fait que 10 enfants inscrits sur 18 au départ. Parce que c'est 10, même pas 10, sur 6 enfants inscrits qui ont trouvé des places. Et tous les autres, donc, ils étaient sur une liste d'attente, dite par la mairie, une liste d'attente, donc on ne comprend pas du tout, parce que des enfants, on a l'obligation de les scolariser. Et ils avaient été scolarisés auparavant à la Caplette. Et la Caplette, il y avait 18 inscrits, et ils se sont retrouvés finalement sur la parette que 6 allaient scolariser. Tous les autres, ils étaient en liste d'attente, jusqu'au mois de juin. Qui ont été expulsés, donc en espérant qu'on va trouver à la rentrée de les scolariser. Donc voilà, en fait, les difficultés qu'on a, c'est surtout avec la mairie pour trouver des places dans les écoles. C'est la plus grosse difficulté qu'on a. Et savoir, les enfants, ils ont été inscrits en octobre pour continuer leur scolarisation jusqu'au mois de juin. De ces 6 qui ont trouvé les places, tous les autres, jusqu'au mois de juin, toujours pas scolarisation. Voilà, donc que faire aujourd'hui en France avec des enfants mineurs qui souhaitent aller à l'école, ils sont volontaires, les parents ils sont volontaires de les envoyer à l'école. Quand nous donnons les possibilités aux enfants d'aller à l'école, là on voit comment l'école peut changer vraiment la vie de ces enfants. Puisque il y a d'abord l'apprentissage bien sûr de la langue française, mais aussi il y a l'environnement scolaire, c'est-à-dire l'enfant il va apprendre s'habituer avec l'environnement scolaire, apprendre à lire et écrire, se faire des amis, apprendre beaucoup des règles de la vie, la discipline, le partage, le respect, la culture française. Bonjour, je m'appelle Bianca, j'ai 9 ans, je suis née en Roumanie. Bientôt je fais CE1, je suis à l'école Chopin. Quand j'étais le de serre s'est bloqué, le mairie s'est bloqué, je suis au bus. Après j'ai été au même l'école vraie. Comme je suis grande, policier. En fait, en refusant les enfants roms, roumains et bulgares à l'école, on crée une génération d'adultes qui seront inintégrables. Parce qu'ils auront été ni scolarisés en Roumanie, ni scolarisés en France. Ils n'accéderont pas ni à l'emploi, ni à la civilité qui permet de le vivre ensemble. Et ces gens-là poseront souci. Je pense qu'on commet une erreur considérable à refuser ces enfants à l'école. En fait, quand les enfants viennent à l'école, ils apprennent quelque chose. Par contre, quand on expulse leur bidonville, quand on terrorise leurs parents, quand on les oblige à rester debout des heures devant un autocar sous prétexte de vérifier leur identité, eh bien, cela les traumatise parce que les enfants sont fragiles et ces traumatismes nuisent à leurs apprentissages scolaires parce que pour apprendre, il faut se sentir en sécurité. Voilà, je voudrais juste dire que ça me semble très surréaliste aujourd'hui de faire un témoignage sur la scolarisation des enfants en France. Scolarisation qui ne peut pas être poursuivie ou faite pour cause de précarité parce que des cellules familiales complètes se trouvent à la rue et c'est très compliqué d'y avoir accès. Je m'appelle Varka Aurel et j'ai 8 ans. Je suis en CE1, je vais être en CE2.
Avant, j'habitais dans une voiture et c'était très difficile parce que c'était une voiture petite. On n'avait pas de faire la douche et j'avais pas où écrire et apprendre. La scolarisation, ça permet aussi un relais dans la famille, c'est-à-dire qu'une fois que les enfants sont scolarisés, ça va permettre aussi aux parents de s'insérer mieux, puisqu'ils vont apporter aussi la langue. Et puis la scolarisation, c'est une porte d'entrée sur la socialisation en général, et on a commencé à travailler en particulier sur la domiciliation, qui est la clé pour l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux droits si on n'est pas domicilié. Je m'appelle Shurek Bosch. Je suis Bouchoab Denis. Je suis allé à l'école de la primaire et je suis allé à l'école de la Romanie. Je suis allé à l'école de la primaire et je suis allé à l'école. L'école pour tous! L'école pour tous! L'école pour tous!